Hola, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, il s'agit d'un vlog tout simplement. J'avais juste envie de vous parler, voilà, pendant ces petites vacances tranquilles ou pas. J'espère qu'elles se passent bien. Alors, je sais pas en quelle zone je suis, B ou C. Je ne sais jamais. En tout cas, moi, c'est ma deuxième semaine de vacances. La zone A, elle a déjà repris les vacances, l'école, excusez-moi. Et puis l'autre zone B ou C, je ne sais plus, bah voilà. Eh bien, est en vacances, c'est sa première semaine. Donc voilà, pour ceux qui ont repris, ben, je vous souhaite bon courage. Et pour ceux qui, comme moi, sont encore en vacances, ben, continuez à en profiter parce que, on va pas se mentir, ça fait du bien. Donc si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler de quelques petites choses. Enfin voilà, des choses que j'avais envie de vous dire, qui me passent par la tête. Voilà, tout simplement. Donc cette vidéo est vraiment blablatage, en fait. C'est un mot qui n'existe pas. On est d'accord, mais voilà. Donc si ça ne vous intéresse pas, ne la regardez pas, je vous le dis honnêtement, parce que vous allez un peu vous ennuyer. Donc nous sommes fin février et à la rentrée, pour ceux qui sont pas en première comme moi, dans pas longtemps nous avons les TPE, le truc qui me prend bien la tête. Donc en ce moment, pendant les vacances, avec ben, les filles avec qui je fais une TPE, on a décidé de se voir et je dois dire que c'est bien prise de tête. On est en train de préparer l'oral et il faut qu'on fasse le diaporama encore, c'est un peu lourd, on est d'accord, hein, voilà. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de relire Orgueil et préjugés, donc vous voyez, j'en suis à là, par là. Mais si je mets le temps, c'est parce que ceci, c'est la version anglaise. Vous voyez, il y a un petit pingouin. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule maison d'édition en Angleterre, c'est ce petit pingouin-là. Voilà. Donc voilà, je suis en train de relire ceci. Est assez difficile, c'est pour ça que je garde la version française pas très loin. Voilà. Et en même temps, on est en train de se remater le film pour quelle histoire ça rend dans la tête. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le film de 2005 avec Keira, je ne sais plus comment, qui joue vers les Caraïbes, bah, je vous le conseille parce qu'il est super bien. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui nous prend bien la tête. Plus en ce moment, je suis en train de commencer à réviser pour le bac d'oral, de français, parce que je me dis que les 25 fiches de lecture analytique, je vais pas toutes les apprendre d'un coup, on est bien d'accord. Donc voilà, en fait c'est des vacances, mais c'est pas vraiment des vacances parce que ça bosse dur. Chose qui n'a rien à voir, qui est assez personnelle, mais vous allez bien voir un jour là dans mes vidéos, on l'envoie dans tout. Mais il y a quelques jours, ma mère m'a offert mon cadeau d'anniversaire en avance, puisque je suis née en mars, on est en février, vous voyez en avance, mais voilà. Donc on va y arriver. Voilà, je fais partie du groupe des tatoués. Alors non, enfin oui et non, non, oui et non, ce n'est pas, enfin oui, c'est inspiré de Divergente, mais non, ce n'est pas un copier-coller, puisque de toute façon il y en a deux et pas trois. Ça m'a pas fait si mal que ça au final. Donc j'avais envie de me le faire tout simplement pour ce que les oiseaux représentent, c'est-à-dire la prise de l'envol, la liberté, patati patata. Et il y a d'autres raisons, mais beaucoup plus personnelles, qui font que je ne le dirai pas parce que ça me concerne et que tout simplement voilà. Mais enfin, je suis contente. Il est là. Il est tout beau depuis le temps que je l'attendais. Voilà. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez un petit truc noir accroché ici pendant les prochaines vidéos. Voilà. Ça fait normal. Donc ensuite, je voulais aussi vous parler d'une dernière petite chose. En fait, j'avais pas tant de choses à vous dire. J'avais juste envie de vous parler parce que ça fait un petit moment. À la rentrée également, c'est-à-dire en mars, dans la semaine du 20, quelque part par là, je ne sais pas, j'ai pas de calendrier sous les yeux. Ma prof de français m'a inscrit à un concours. Il s'agit du concours général de français. Il y a une amie à moi aussi de ma classe qui y est. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, faut aller chercher sur internet. C'est une épreuve qui se déroule dans la France entière. Les étudiants y participent. Alors soit c'est l'étudiant, enfin l'élève qui se propose d'y participer, soit c'est le professeur qui lui dit qu'il a les capacités de le faire et qu'il l'inscrit. Et pendant cette épreuve, eh ben, ça va être dur. On va être 6 heures dans une pièce à faire une dissertation. Voilà, pendant 6 heures, ça, on va s'amuser, ça va donner. C'est pour ça que en janvier-février, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, tout simplement parce que je me bourrer le crâne de classiques, c'est-à-dire que souvent c'est une citation, la dissertation, ou juste une question
Mais en tout cas, il faut avoir des références littéraires pour y répondre, ce qui me paraît à peu près logique pour une dissertation. Donc c'est pour ça que je suis en train de lire et relire des classiques. Donc voilà, je me fais des fiches de lecture, je les relis, je les analyse. Donc c'est beaucoup de travail, c'est pour ça que j'avais pas le temps en fait de faire des vidéos. Mais c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'ai vraiment envie de le faire, c'est quelque chose à tenter. Bon, le premier prix, je crois que c'est une bourse d'études de 7000 euros. Ensuite, c'est des ordinateurs. Bon, enfin voilà, j'espère pas arriver dans les trois premiers, mais j'aimerais bien faire un classement assez honorable, c'est-à-dire pas arriver dans les tout derniers. Je crois qu'on est plus d'un millier, enfin je ne sais pas, honnêtement, voilà. Je vous referai certainement un vlog pour vous dire comment ça s'est passé. Mais en attendant, voilà, je bosse sur beaucoup de choses, sur beaucoup de projets, que ce soit personnel, au niveau de l'école, ce qui fait que j'ai pas eu trop le temps de me consacrer à ma chaîne. Mais j'y reviens, ça se voit, non? Voilà. Ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. La prochaine vidéo, je vais faire un tag. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo tout court. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag, donc je suis super contente. Et je vous réserve également une vidéo un peu spéciale. J'y ai réfléchi il y a pas longtemps et je trouve le concept assez original personnellement, même si je me suis inspirée d'autres vidéos. Donc je ne vous en dis pas plus. Vous aurez la surprise ben, cette semaine ou la semaine prochaine. De toute façon, je vais tout tourner cette semaine. Peut-être pas tout poster, mais je vais tout tourner comme ça. Ben voilà, ce sera fait, on n'en parlera plus. En tout cas, sur ce, moi je vous souhaite de très bonnes vacances, de très bonnes révisions, de très bonnes lectures, de très bons moments. Bref, éclatez-vous, profitez parce que les vacances ne durent pas éternellement. Et sur ce, eh ben, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!